What's up, YouTube? I just want to give you a quick update on my BBL. There's a few people that challenged me to do a video in French. Now, this won't count as an official challenge in my BBL, but here it is. If you only understand English, try to guess what's this next sentence. Alors, merci à ma mère et à ma cousine Nadia, qui sont les deux qui m'ont vraiment poussé à faire un vidéo en français. Ça compte pas comme un challenge officiel de mon bucket list, mais j'ai décidé de faire cette vidéo en français. Alors, j'ai pas encore tout choisi mes défis pour terminer ma bucket list. J'ai besoin de votre aide. Continuez à m'envoyer des défis à travers les commentaires. Il y en a quelques-uns que j'ai choisis déjà depuis ma fête, sauf qu'il reste un peu de place. Alors, soyez créatifs. Je veux continuer à entendre ce que vous avez à dire. Des défis dans les commentaires, tout de suite, ici. That was only one sentence. If you're still listening. Alors, la raison pourquoi je fais cette vidéo ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai terminé un autre item de ma bucket list qui était d'acheter des billets pour aller voir un artiste, mais des billets floor tickets. Alors, des billets de plancher. Quoi, c'est ça? Des billets de terre? Des billets à... Gougou, how do you say floor tickets in French? Billets d'étage. Des billets d'étage. Des billets pour être proche. Donc, j'ai acheté ces billets, puis j'ai invité mon ami slash business partner slash, on n'est pas un couple, Nicolas Marcil, à venir avec moi. On a rencontré plusieurs amis à travers la soirée. J'étais comme vraiment, vraiment, vraiment proche. J'étais juste en arrière de la band Mumford & Sons. Mumford, qu'est-ce qu'ils font? C'est que dans une aréna, ils jouent dans le milieu, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui peuvent être autour de l'estrade. Alors, moi et Nicolas, on était en arrière de l'estrade. On a rencontré plein d'amis. On a eu une soirée intense, c'était vraiment un bon spectacle. C'était la première fois que j'ai vu ma band préférée, Mumford & Sons, aussi proche. Je les avais déjà vus deux fois live dans le passé à l'extérieur. Alors, c'était la première fois à l'intérieur et si proche des membres de la band. Et c'était vraiment une expérience magique. Alors, c'était mon propre cadeau de fête en même temps. Et on a vraiment passé une belle soirée. On avait un train qui partait à 7h du matin le lendemain. Mais ça, c'est une autre histoire. Do I need to take off my piercing? No. No. Okay, jewelry is okay. Okay. Merci d'avoir écouté la vidéo. C'est la deuxième chose que je termine de ma bucket list et je vous vois lorsque je termine. And I'll see you when I cross off the next one.